Eh ben, elle est où la difficulté, je comprends pas? Comme par hasard, il va en rester un seul. Non! Oh, le seum, c'est trop bien fait! Voilà, et donc là, je suis dans le caca. Eh bien, salut à toutes et à tous, Slam Company, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait depuis je ne sais plus combien d'années que je n'ai plus fait cette intro. Salut, Slam Company. Et ça me fait très plaisir aujourd'hui de la refaire, voilà. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'une map Minecraft. Je suis tombé dessus, ça s'appelle Gold Puzzles. Regardez, c'est juste ici derrière moi, c'est magnifique. Gold Puzzle, qui est une map, eh bien, comme le dit son nom, puzzle. Voilà, il y a 20 épreuves, si je dis pas de bêtises, 20 ou 25. C'est une map qui a été créée par un anglais qui s'appelle Fatal Vortex, voilà. Là, on a une section tutoriel, donc on va aller découvrir ça. Et du coup, voilà, c'est un truc qui me fait plaisir. Je suis content de retrouver un petit peu ce truc à l'ancienne, de redécouvrir des maps Minecraft. Donc si jamais vous en faites, bah, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon site mcolo.fr dans l'onglet contact. Voilà, c'est dans l'onglet contact maintenant, et vous pouvez m'envoyer vos maps pour que je les teste en vidéo, ou alors pour les publier sur le site mcolo.fr. Voilà, c'est vous qui décidez. Du coup, je clique sur le bouton et on va faire un petit tutoriel. Thank you for playing my map. Voici quelques petites choses que tu dois savoir. A few moments later. Bon, je sais pas pourquoi il nous présente tout ça, mais du coup voilà, pour le tutoriel qui ne m'aura servi à rien. Donc c'est parti, on va enfin pouvoir commencer la map, les amis. Start, let's go. C'est parti. Donc nous voici sur la première énigme. Donc là, l'objectif de ce premier niveau qui s'appelle The Trimmed Tree, eh bien c'est de stand directly above the gold block. Faut être sur le bloc d'or là. Faut se mettre dessus, c'est ça? Il y a quoi dans ce coffre? Une hache? Un bouquin Silk Touch? Bah, faut que je me mette dessus. Ah oui, faut que je me mette dessus. Mais il y a ce bloc qui m'en empêche. Alors, est-ce que je peux casser ce bloc? Je ne peux pas. Avec ce bouquin. Alors, attendez, à mon avis, il doit y avoir une table d'enchantement à quelque part. Ah bah, une enclume. Je pense que je dois faire ça. Mais il me faut 4 niveaux. Et je n'ai pas 4 niveaux, donc j'imagine qu'à quelque part... Bah regardez, là, il y a une shulker box. Trop fort. Oh, ça va me plaire, les amis. Cette map va me plaire, je vous le dis direct. Hein. Ça me donne parfaitement 5 niveaux, donc là, je pense que je peux faire ça. Ça se trouve, je fais une connerie, mais à tout moment, on peut reset le niveau. Hein. Donc ça, c'est bon à savoir. Est-ce que je peux casser? Non. Je peux toujours pas casser. Donc à mon avis, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Ok, j'ai un truc d'alchimie. Est-ce que je peux... Je peux pas le casser. Là, j'ai un truc encore. Encore de l'XP. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? On peut monter par là, mais... Ah. Oh, waouh! J'ai réussi le niveau! Fallait juste que je sois au-dessus, en fait. Fallait que je sois au-dessus du bloc d'or. Et du coup, là, ce que je viens de faire, bah, je suis allé au-dessus du bloc d'or. D'accord! Ok, et donc, en fait, c'était un piège pour nous induire en erreur, là, la hache et tout. Très bien, ok. Eh ben, niveau 2, let's go. Hein. Là, c'est quoi le but du jeu? Get on top of the god block. Voilà, à chaque fois, en fait, il faut être au-dessus... du bloc d'or. Il est où le bloc d'or? Je ne sais pas où il est. Donc on va se contenter de faire le parcours. Et le bloc d'or, il est là. Et je ne peux pas y aller. Très bien. Donc va falloir aller au-dessus. Et ben on va faire comment? Alors là, par contre, pour le coup, je sais pas comment faire. Donc on va demander un indice, je pense. Parce que là, il n'y a rien qui me... On va demander un indice. Instead of touching the block with your feet, you must touch the block with your head. Ah, donc on peut toucher avec la tête. Ah bon, c'est sûr, il faut aller en dessous, mais non, on peut pas en fait. Attendez, je vais reset. Donc, il faudrait toucher avec la tête. Mais non, arrête tes conneries, donc j'avais raison. Alors les amis, je suis allé checker sur la vidéo du créateur de la map, hein, globalement. Et en fait, il y avait un petit truc caché qui nous permet de nager. Et en fait, il est juste là. Oh, les salauds, j'avais raison, c'était ça qu'il fallait faire en plus, je l'avais dit avant. En fait, voilà, faut qu'on puisse nager. Alors, comment on fait? Voilà, ça y est. Et on va pouvoir passer par en dessous, c'est ce que j'avais pensé avant, mais voilà. Et ben voilà, comme ça, je peux toucher avec ma tête. Hop, voilà, niveau complet. Oh là là, on va faire un petit peu plus attention maintenant, d'accord? Allez, c'est parti. Donc niveau 3, get on top of the gold block. Donc à chaque fois, le but du jeu, c'est d'être au-dessus de ce bloc d'or. En tout cas, de le toucher, quoi. D'être à son niveau. Donc va falloir être au-dessus. Bon, c'est joli, mais ouais, c'est toujours compliqué, quoi. On commence assez fort. Oh non non, et puis il y a des trucs à lire. Non non non, moi je lis pas. Hein. Bah déjà on voit à l'intérieur qu'il y a du parcours. Donc si on pourrait rentrer dedans, on pourrait faire du parcours. Est-ce que... Ah attends. Est-ce que... Ah mais oui, est-ce qu'on peut monter? Attends. Mais oui. Mais oui. Je suis un monstre. C'est ça qu'il faut faire. Attendez, c'est ça qu'il faut faire. 100%. Il y en a pas un autre? Non, il y a que celui-là. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Faut grimper avec les shulkers. Je suis un monstre.
Ok, c'est ça qu'il faut faire. J'ai même pas encore utilisé d'indice, hein, pour vous dire. Hop, yes, j'ai réussi. Je suis un monstre, je suis fier de moi. Ok, alors maintenant il faudrait trouver quelque chose. Oh, mais voilà, voilà, c'est bon. Regardez, 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 regardez. Je suis un monstre. Hop, oh, je suis un monstre, mais oh, hey, juste pour ça, les amis, je suis tellement fier de moi. Maximum de pouces bleus, hein, s'il vous plaît. Hein. Bon, même si ça se trouve, vous y avez tous pensé en commentaire. Vous étiez en mode, ah, mais il faut utiliser le shulker box. Oh non, je me suis bloqué. Le karma. Je me suis bloqué. Oh, bon, bah, on va reset. Mais c'est pas grave, maintenant je sais comment faire. Et puis c'est pas très compliqué. Ok. Voilà, j'ai réussi. Donc là, on va plus bloquer. Par contre, on va rester ici. Il y a rien à récupérer, on est d'accord. Et donc là, il va falloir faire pareil. Oh là là, ça va être encore plus tendu. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. Osta, c'est compliqué, hein, on croirait pas, mais là, j'ai les mains moites. Ok, maintenant que je suis là. Maintenant que je suis là. On fait comment? Parce que là, du coup, je peux refaire pareil avec les shulkers. Si, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis un monstre. Ok. Maintenant que je suis là, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Là, j'ai fait tout le tour. J'ai réussi à faire tout le tour. Alors, à un moment donné... je peux toujours pas aller sur le bloc d'or. C'est incroyable. Je vais pas faire le tour 32 fois. Y'a pas un truc caché, là, que j'aurais pas vu? Ah, mais j'ai... Ah! Mais oui! Une splash potion de jump boost. Ok. Eh ben, parfait. Elle dure combien de temps? 1 minute 30. Donc là, j'ai juste à sortir. Et bah attendez, ce que je vais faire. Attendez, dans le doute, je vais me la claquer ici, regardez. Et comme ça, ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je vais le faire à partir d'ici là. Hop! Oh, j'avais raison de le faire. J'avais raison de le faire. Et voilà! Sans indice et sans avoir cheaté, les amis, j'ai réussi ce niveau, je suis content. Et là, on est sur le 4e niveau et c'est avec les abeilles. C'est génial. Waouh, c'est incroyable. Ok, alors c'est parti, les amis. Quel est l'objectif? Évidemment, c'est d'être sur le bloc d'or, encore une fois. Alors, où c'est qu'il est? Je ne sais pas, d'ailleurs. Ah, un coffre. Ah oui, on a plein de trucs. Donc, faut bien savoir qu'il faut... dans la description de la map, c'était écrit qu'il faut savoir trier entre les trucs qui sont inutiles et les trucs qui sont utiles. Donc, faut faire attention, il y a des choses qui peuvent nous induire en erreur, comme au premier niveau, la hache qui ne servait à rien. Et là, on a plein de trucs. Oh là là, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué de ouf. Bon, j'ai une épée en or, je vais la prendre par contre. J'ai des flèches, je vais les prendre. C'est des trucs qui peuvent... Les outils, en fait, faut toujours les prendre, je pense, parce que c'est toujours quelque chose qui pourra être utile. Pareil pour le pseudo, à la limite. Béatrice. Ah, c'est marrant. Attends, me dis pas qu'elles ont chacun un nom. Blair. Le bug d'or, il est là. Ok. J'ai reçu un achievement, vous le voyez pas à cause de la cam. Sticky situation, c'est marrant, regardez. Attendez, je découvre en même temps, mais voilà. Sticky situation, c'est marrant. Ah, je peux pas poser de pseudo. Eh ouais, elle est là, la problématique. Et je ne peux pas sauter, donc, hein, vous l'aurez compris. Je peux pas sauter par-dessus. C'est assez compliqué. Donc là, je peux pas monter, quoi. Hein. J'ai pas un moyen de monter. Est-ce que je peux casser à l'appel? Non, je peux pas casser ça. Dans ce coffre, on a Frostwalker. Peut-être que ça devrait être utile avec l'eau. Mais comme l'eau, je ne peux pas la placer. Tu vois? C'est un peu con. Mais non. Arrête. C'était ça qu'il fallait faire. Ok. Ah, oh bah d'accord. Donc en fait... Ah, c'est trop fort. T'as, faut le savoir ça quand même. Hein. Normalement, on a du sable. Où c'est que j'ai du sable? J'en ai qu'un seul. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je comprends rien, même avec la vidéo du mec, je comprends rien. Attendez. Attendez, on va reset. On va reset, d'accord? On va reset, on va repartir sur de bonnes bases. Bon. Nous avons une water bottle. Jusque-là, tout va bien. Nous avons... Mais comment on fait du sucre? Eh les mecs, j'ai rien compris, attendez. Je vais prendre le sable, je vais le mettre dans le four. Parfait, jusqu'ici, tout va bien. Normalement, il va me donner 3 verres. Eh ben non, il m'en donne qu'un seul. Mais qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Je comprends rien. Je vais regarder de nouveau la vidéo, mais je comprends rien. Oh, d'accord. Oh, mais je suis un boulet. J'ai encore tout compris, moi. Ok, attendez, on va reset de nouveau. Ça y est, c'est bon. J'ai compris le truc, les amis. Bon. Ok, en fait, nous avons... Voilà, on avait du sable rouge ici, plus un sable normal là. Voilà. Du coup, je suis vraiment un tocard. Hein. Je suis vraiment un tocard. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire fondre. Et pourquoi ça marche pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il y a vraiment rien qui marche avec moi ou... Ah non, faut faire ça comme ça. Voilà, tac. Ces bouteilles-là... Non, attendez, je suis sûr, j'ai encore pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris.
Si, ces bouteilles-là, je vais pouvoir... Parce que, attendez, parce que là, j'ai une bouteille, elle est où? Elle est là. Cette bouteille, je la prends, je la mets là, tac. Et j'avais raison, il faut prendre la Netherwort. J'avais raison, il faut bel et bien qu'on fasse une potion. Donc hop, je vais lui mettre ça pour commencer à traiter tout ça. Voilà, alors fais-moi chauffer ça aussi. Ce que j'avais pas, ce que je ne savais pas, je ne connais pas l'1.15. Hein. Moi, je découvre, hein, les amis. Ce que je ne savais pas, c'est que quand on fait ça... Hop, quand on fait ça, et ben on peut faire ça. Et ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et là, ça change tout. Parce que du coup, je vais pouvoir mettre du sucre, si j'ai bien compris. Et là, ça va nous faire une potion... ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais... Potion of sweetness. C'est absolument pas ça qu'il faut faire, si. Attendez, je vais tester. Voilà. Et ben, c'était pas ça qu'il fallait faire. Oh là là, mais je suis un tocard, ça me saoule. Oh, d'accord, mais c'est bon. Il me reste encore 2 minutes. En fait, il faut que j'aille là, que je cours et je saute. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Allez, 3, 2, 1, j'ta. Ah là, on a réussi. Oh, bah quand même. Oh. Sachez, les amis, que c'est pas du tout une map très très simple, quoi. Et je veux dire, je suis en train de m'aider avec la vidéo de l'auteur, quoi. Donc là, il faut crafter un bloc d'or. Cette fois-ci, c'est un autre objectif. Il va falloir qu'on crafte un bloc d'or. Oh, c'est beau. Bonjour. Ok, ils sont gentils. Ils sont gentils avec moi. Il y en a des dauphins. Oh, c'est beau, regardez, c'est beau. Bon, on va arrêter de... Ah oui, ça fait des coraux et tout sur les murs. Ah, c'est sympa. Alors, on a un coffre ici à disposition avec plein de minerais d'or. Ah, mais attendez, je dois crafter un bloc d'or. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Il suffit juste de faire chauffer l'or. Et ben voilà. Et ben, elle est où la difficulté? Je comprends pas. Comme par hasard, il va en rester un seul. Non. Oh, le seum, c'est trop bien fait. Voilà, et donc là je suis dans le caca. C'est-à-dire que là, je pourrais crafter le bloc d'or, mais il me manque un lingot. Et donc il faudrait que je fasse fondre. Et bah je fais comment? Telle est la question. Alors, est-ce que j'ai pas un combustible que je peux utiliser? Non, j'ai aucun autre combustible. Ok, donc c'est ça la problématique. Je me disais que ça semblait vachement simple. Alors, ça m'a fait de l'XP. Peut-être, du coup, il faudra que je me mette looting sur l'épée. Bon, du coup, j'ai quand même pas assez d'XP. Hein. J'ai quand même pas assez d'XP pour me mettre une looting 3. Hein. Il me faut 6 niveaux, j'en ai que 3 du coup. Alors donc faudrait quand même tuer, je pense, les zombies. À un moment donné, il y en a bien un qui va me loot, genre je sais pas. Alors pas du bois, je sais pas. Oh bah. Et ben voilà. Alors, il m'a looté de l'or. Il m'a looté un lingot d'or. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, le champion, le youtubeur? Pour un youtubeur, tu fais peur. Ton niveau est vraiment très faible. Là, on est au niveau 6. Il faut aussi crafter un bloc d'or. Ok, là, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué, hein, bizarrement. Ok, donc, on est parti. Là, on a des squelettes qui nous... Ah non, c'est un mineur, bonjour. Bah, je peux pas lui prendre l'or, non? D'accord. Donc, on a des minerais de fer. Là, donc, on a un coffre. Avec du bois, des torches, du steak. Le steak, on s'en fout. Encore du bois et un arc. Attends, le steak, on s'en fout, ok? Ça nous servira à rien. Ça, je peux prendre au cas où. Dans les fours, à mon avis, on a déjà du charbon qui est... Ah bah voilà, j'ai un lingot d'or ici. Il m'en faut 9 au total, hein, pour pouvoir faire un bloc d'or, je le rappelle. Ah, attendez. Eh ben voilà. Eh ben voilà, donc là on a de l'or. Ben voilà, on a une pioche. Tu veux pas du diamant? Ah bah. Alors je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Ah bah ben, j'ai fait bugger le... Je suis en train de faire bugger, regardez. Je suis en train de me stuff, mais lui il reprend son stuff aussi. Ah non. Bah si, regardez, ça s'est dédoublé. What the fuck. Bon, voilà, maintenant j'ai un stuff en or. Alors est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. En faisant fondre les outils. En faisant fondre les outils et les armures. Mais bien sûr. Mais c'était ça qu'il fallait faire. Donc j'avais raison de prendre des armures et les trucs des autres. Et mais oui. Ah, je suis un gogol. Mais je suis un idiot, et donc ça nous donne des pépites, et les pépites on peut faire des lingots, bon ça va être très très long. Mais ce qu'on m'a pas dit apparemment, c'est que on peut faire quand même une pioche en fer. Mais ça m'étonne que je puisse miner quand même avec, si. Est-ce que je peux miner? Oh, mais fallait le savoir aussi ça. Fallait le savoir, parce que un coup tu peux pas miner,
Un coup tu peux miner, ben voilà. Je trouve que ça c'est un point négatif de la map, c'est que c'est quand même relativement mal indiqué, etc. Donc voilà, hop, crafté, ça c'est fait. On a réussi. On est enfin au niveau 7 maintenant les amis. Je rappelle qu'il y a 25 niveaux, donc je ne pense pas qu'on fera toute la vidéo sur la map, hein. C'est pas possible. Get on top of the gold block. Donc là c'est reparti pour les missions du début, à savoir être sur le bloc d'or, ou du moins au-dessus. Donc il est juste là. Et donc va falloir qu'on arrive à aller dedans globalement. Alors est-ce qu'on a une... On peut même pas aller dedans. Donc faudrait pouvoir en fait... je sais ce qu'il nous faut. Obligé, il nous faut soit des élytras, ou soit faut qu'on fasse un bug avec les chevaux. Non, en vrai. Et évidemment, regardez. Attendez. Je pense que je sais ce qu'il faut faire. Oh, je sais exactement ce qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse une canne à pêche avec une carotte. Il faut faire une fishing rod, c'est ça? Tac, et puis après on met une carotte dessus. Non, j'ai tout compris. Ah si, carotte on stick, voilà. Et je pense que maintenant on va aller sur le cochon. Franchement, les amis, je suis un monstre. Hein. Si c'est ça, je suis un monstre. Et là, j'ai juste à le guider là-dedans et je pense qu'il va nous faire bugger. On va voir. Je suis un monstre! Je suis un monstre en fait! Voilà, je suis trop fier de moi les amis. Niveau 8, pareil, get on the top of the gold block. Et il est juste ici le bloc d'or, donc va falloir aller au-dessus. Et là, à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué que le niveau précédent. Ah ouais, mais mec, fallait le savoir aussi gros. Là, c'est peut-être un petit peu abusé, là, si je puis me permettre. J'ai regardé la solution, du coup, sur la vidéo. Donc les amis, j'abandonne, j'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer la map. Là, vous voyez, j'ai fait que 8 niveaux. Il y en a 25, donc éclatez-vous. Clairement, il y a de quoi faire. N'hésitez pas donc à télécharger la map, elle est dans la description. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur d'autres jeux, bien évidemment. Là, j'ai fait un petit retour sur Minecraft parce que c'est cool de redécouvrir un petit peu des nouvelles maps Minecraft. Et je trouve ça assez intéressant, mais un petit peu trop compliqué. Un petit pouce bleu de votre côté, ça me fait super plaisir. Donc, franchement, faites-le. Et puis, les commentaires également, c'est très important. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. J'ai pas d'autre mot à dire, j'ai fait la pire outro du monde. Voilà. Ciao tout le monde.